إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Toujours comme rappelle chers frères, apport qu'il y font partie de nos croyances, qui ça amène un de bon moyen pour nous compter en eux, quand nous pouvons guider la vie, un partie bien minime, le bon madame du prophète sallallahu alayhi wa sallam, autre que ça, il n'y a pas de loi digne qui nous apprend. À travers eux, il n'y a pas de règlement digne qui nous apprend. Avant de venir avec ça qui pour avec nous pour aujourd'hui, nous posons une question. C'est quoi un mahar dans un nikah? Un mahar. Parce que nous avons tendance à penser qu'il y a quelque chose qui nous donne la fille afin si demain vous gagnez quelque chose par mon mot pendant 3 mois, 4 mois, 10 jours de ce rida, etc. Nous gagnons beaucoup de choses. Sans compter qui est là pour appliquer 27,50 là-dedans. Veut dire tout qui vient, vient qui tourne. Si ma havla a l'argent, pour vous amener 27,50 là-dedans. Mais quand nous guettons le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, dans surah 4, surah Nisa, dans le début même, quand il explique nous certains règlements concernant le mariage, il commence par Fankihu ma ta'balakum min al-nisa imathna wa thulatha wa ruba'a. Fain khiftum alla ta'dilu. Fawahidatun, Oma malakat aymanukum. Prends comme épouse des trois ou bien quatre. Mais si ton père qui n'est pas capable d'amener la justice, prends une seule. Ou bien une madame esclave. Chers frères, je voulais attirer votre attention ici, le N point. Parce que c'est parmi les petites choses qui ne peuvent pas comprendre l'islam tous les temps. Je peux amener l'eau à la table à ta religion, que Dieu a le droit de mourir plus qu'il y a. Ta religion, Dieu est capable de venir à des madames. En fait, Dieu dit jamais. Dieu dit nos religions, Dieu dit quatre, pas deux, pas limite nous. Tu peux dire nos religions, tu as un droit, moi j'ai deux, tu peux faire rire parce qu'ils disent nous, moi j'ai quatre. Ajoutons qu'on dit l'autre dit. Parce que c'est seule religion, l'eau, la terre, qui admet le nombre, plus que quatre, tu n'as pas un droit. Les restes, il y a un droit, moi j'ai plus que quatre. Ça bout là qu'il nous va rester trouver. C'est le livre qui admet le nombre d'épouses qui ont mis un droit, il a. Puis il y a les autres places. Ça veut dire qu'il y a des droits comme il y a envie. Si des te peut trouver inconvénient, mais ça qui va mettre limite là qui est arrivé à l'os. Tu vas trouver ça dans l'inconvénient. Et pourtant, comme on dit ça devant nous. Mais ce n'est pas ça qui est avec nous.
Quand Allah subhanahu wa ta'ala finit cause concernant le nombre, de là lui dire wa atun nisa isadqatihinna nihla. Et donne ban madame là, zot sadqat en sadaqa. Nihla en cadeau. En mahal c'est quoi? En mahal c'est un cadeau qui un garçon offert à une petite fille ou bien une madame qui acceptait pour rendre son nika. C'est tout. Il est capable de donner faute qui forme. Il est capable de forme l'argent, l'argent liquide. Il est capable de forme bijoux. Il est capable de forme une petite chose, comment nous dire, une action, un service, n'importe quoi. Dans le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand une personne qui approche Oumou Soulaim radiallahu anha, il a dit, je trouve une madame veuve dans Madina, mon envie de mourir avec toi. Il a dit non. Il a dit parce que tu es non-musulman. Si tu acceptais l'islam, je prends ça pour ma femme. Je veux dire, si il acceptait l'islam, ça peut faire madame là content, oui non. Il n'y a pas de problème sur moi. Effectivement, la personne embrasse l'islam et il m'a dit. Donc, n'importe qui chose qui peut faire ça, cette fille là, ou bien sa madame qui se miche une mot, ou bien divorcée là, pour faire du content pour lui rendre sa nika là. Et n'a même pas mis ban sahabi, quand ils ont fait une gain des mots en mariage. Le fait qu'ils aient connu la personne pauvre, ils ont dit, fait des rakat la cause Allah, moi accepter ça comme mon mahar. Mais il fait des rakat. Pas veut dire qu'il y a aujourd'hui, moi, tu fais des rakat, non. Mais seulement, ici, nous peut cause, c'est quoi un mahar? C'est une question qui fait moi content que je vienne de madame. L'IPN a un chiffre exact et ni lui obligé si c'est en termes d'argent ou bien bijoux, etc. De même, au capable, Diamotifi te demande Mahar, un Hajj. Il garantit pour l'Odala, son Michel Zoubzamani Hajj. Parce qu'il n'apprend pas les Hajj en tant qu'une madame, il connaît cet un djihad, ça. Il dit à son Michel, bon, je te vois, il demande pour moi mon Mahar Hajj. Après, nous allons laisser. Et dernier règlement qu'il nous apprend, c'est qu'il est capable de songer tout ça, Mahar. Connais parce que, longtemps que nous sommes en bout, nous faisons ça avec la loi d'in, malgré qu'il y ait un bon parti dans la loi d'in, mais nous nous stiquons avec ça même. Parce que si je dis à vous, Mahar, même après Nika, capable de donner ça. Nika, dimanche après Zohar, il était fourni à Zan Zohar pour donner du pourquoi même Mahar. Mais qui fait quand c'est Nika? Même après Nika, il est capable. Allez, là. Si tu fais là, il demande, dis comme moi, ok, janvier, nous mourir, période cyclone, comme ça, si il y a un article de Dimon pour venir. C'est moi qui demande ton mahar en Hajj. Mais prends des prières jusqu'à la saison mariage, là, pas pour un Hajj. Comment faire ce mahar? Non, même après. À ce temps-là, ton prix Hajj descend. Et tu as dit que ça, 250 000. Il a dit que ça, Michel, parce qu'il finit mariage, c'est-à-dire. Il a dit 250 000. Il a dit, allez. Mais maintenant, mon attendu, il ne m'a pas fait non. Il me sent ce mahar, oui, non. Il a un droit, frère. Lui, il gagne droit sans son mahar. Parce que ça, encore fait, lui, content pour venir sur madame, oui, non. Faut pas nous penser qu'il vous dirait la loi mahar, c'est un cadeau. Sans compter qui, mahar, jamais tu représentes. Ou quand donner un petit film, ça va aller où? Le son mahar qui vous pouvez ça là. Et dernier qui tue, chers frères, le son sallallahu alayhi wa sallam, j'ai nous.
Madame qui voit une plus barakat de sur la case, c'est une madame qui demande plus de mahar. Pas veut dire qu'il demande 500 roupies. Hein? Veut dire de sur la famille, je tout demande 120, 125 000, il demande 75 000. On dirait qu'il demande plus de guide. Plus de guide ici, pas veut dire qu'il demande 500 roupies. Plus de guide comparé à de ma famille, nous avons juste pour rendre de ça. De ce hadith. Qui fait nous expliquer tout cela? Parce que quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam est sorti pour faire la bataille de Khaybar, qui la guerre prend place, et parmi les quand on dirait infini discuté, il y a un esclave. Un esclave veut dire qu'il ne vient la guerre contre moi. Qu'il soit monsieur ou bien madame. Là-dedans, il y a une madame appelée Sophia, radiallahu anha. Elle est une juive. Elle est une juive. Donc, quand il gagne le champ de bataille, il devient un esclave. Elle est connue dans l'histoire. La plus jolie madame, c'est soit juive, soit syrienne. Pas besoin de download de Google pour comme ça. Dans un proverbe arabe, tout finit expliquer. Elle est une jeune beauté. Et Sophie, hein, c'est une juive et une esclave. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam approche-le. Tu es un esclave. Ok. Si je libère toi, tu viens mon madame. Et j'ai dit oui. Parce qu'il ça pour faire lui content qu'il gagne libération auprès d'un esclave, oui non. Ça pour faire lui content. Comment lui dire oui? Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, libère lui, et lui vient mon madame. Ça, tu viens sur mahar. C'est pour ça que maintenant demande Anas radiallahu anha, qui tu mahar? Parce qu'il était ensemble avec le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam de Khaybar. Il dit, qui tu sur mahar? Il dit, asdaqiha, veut dire ce sadaqa sur mahar, ritquha. Sur libération. Il libère lui comme un esclave, ça il y a un moyen qu'il fin gagne, qu'il fin vin madame le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est premier. Premier quoi? Mahar de Sophia radiallahu anha ti sur libération en tant qu'il fin gagne le son de bataille. Déjà pour nous terminer pour aujourd'hui. Comme nous disons dans le début, chers frères, Alhamdoulilah, à travers l'étape de Madame du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous apprenons la loi d'Ine. Comme là, nous disons concernant Mahar, déjà, pour pouvoir arriver, vous connaissez les motifs qui nous demandent, je dis franchement, pour les garçons là, pas aller venir, etc., je préfère faire ce nika. Ensuite, demain, comme on fait Noël, je vais inviter de tout. Comme ça, je suis motivé, personne ne touche lui, excepté Donika. Et moi, pour permettre ça. Ok, mais quand on fait Nika là, dimanche, mais où tu fais quoi pour rester? Moi, tu fais pour continuer à rester moi. Ah, il parle de garçon là, non, qui est le problème? Non, n'est-ce pas qui est le problème là? Non, mais il m'a dit, non. Mais quand il m'a dit qu'il est arrivé. Meilleur, c'est lui qui ne reste là sur la terre, là qu'il m'a dit. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne nous que si demain, il n'y a pas de toute facilité pour toi, amener ton madame la case, même ton fini fait nika, il permet qu'il continue à rester là aussi longtemps qu'il ne te pas parler. Qui plus grand preuve qu'un quelqu'un de bizarre? Que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Moi avec Sophia radiallahu anha de Khaybar. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam retourne à Madina après 6 mois que Sophia vient à Madina. Ça, c'est la preuve qu'une personne qui est mariée, il y a une bonne contrainte, il a un droit rétorde pour y amener sur madame là, la case. Ce n'est pas une petite chose qui est interdite, pas besoin de dire tout le temps de causer. Causer jamais faire des faits tant que dans une permet nous quelque chose tant
qui d'ordine, ça qui vous fait permissible, pas prendre compte, ça qui les jeter, peut dire, Sophie, radiallahu anha, c'est après 6 mois qu'il est venu de Madina, dans la case au Miché. Ça, c'est la preuve qui montre nous, deux messieurs personnes qui sont mariées, si pas l'inal continue l'étude, les irés un an pour les terminer sur l'étude, ici, la fille continue risque de son papa, l'IPM qui. Il continue à rester jusqu'à ce que ce monsieur soit capable de recevoir, lui. Ça, c'est D. Parmi les leçons concernant Sophie, radiallahu anha, Inch'Allah, vendredi, nous continuons. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajmarin. Wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.